Salut à tous, c'est Démoniax pour la chaîne de Demo Choose. Donc comme prévu, aujourd'hui on ouvre la Mega Box volume 2 et la volume 1. Donc je vais déballer le plastique des deux boîtes et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai ouvert, regardez. On voit un peu mieux la boîte qui est très jolie. Que ça soit la Ozaru ou la Goku en Ultra Instinct. Et donc on va les ouvrir. Donc pour la Mega Box volume 1, je vais vous montrer le papier. Je sais pas si c'est bon le focus. Il y a trois boosters aléatoires. Donc là je vois qu'il y a de la Soul of Saiyan, ça peut m'intéresser. Et puis les deux autres, bah ça sera plus tard pour les autres collections. Et j'ai 13 cartes exclusives. Je sais pas si elles sont dans les 13 dedans. Mais bon. Et dans la volume 2, on a 3 boosters aléatoires, plus 20 cartes exclusives, plus 5 cartes surprises, plus une carte de tournoi, plus un dé. Donc, je sais pas si elles sont toutes là-dedans ou s'il faut tirer plusieurs fois. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Donc je vais ouvrir la boîte 1 en première. Parce que le 1 est avant le 2. Donc voilà. Moi, on l'ouvre. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des bulles. Pour les paquets de cartes, c'est parfait. Donc j'ai bien mes trois paquets de cartes. Donc j'ai un Galactic Battle, donc c'est la première extension. Celui-là, c'est un World Martial of Tournament, quoi, Art of Tournament. Et lui, c'est Divine Multiverse. Donc aucune extension que j'ai déjà ouverte. Et donc là, j'ai un paquet de cartes avec Vegeta Unition de Fury. On va s'ouvrir maintenant et on va regarder un peu les cartes. Donc j'ai Vegeta en deux exemplaires. Il y a un topo. Carte foil. Quoi, je crois qu'elle est foil. Ouais, c'est juste le retour. Ouais, le retour. Le mode éveil qui est là. Désolé, je fais n'importe quoi là. Vermouth le mégaloman en foil x2. Marcarita, tutrice du pouvoir en foil. Ouais. En tout cas, ça a l'air d'être une foil. Enfin, je sais pas si ça se trouve, c'est l'extension qui est comme ça. Dispo, le guerrier éclair, qui a l'air d'être aussi en foil. Castral, le guerrier tranchant, qui a l'air aussi d'être en foil. Et la dernière, c'est un beau Jiren en point de lame. Voilà. Donc, on va s'ouvrir les boosters en dernier. D'abord, on va regarder le contenu des box. Donc pour la Mega Box volume 2, on a... Mince, excusez-moi, j'ai pas cadré dans la caméra. Donc on a une carte... Ah non, c'est 5 cartes par booster. Ok. Je comprends pas pourquoi ils m'ont mis ça. Des Colossal Warfare. J'ai cru que c'était comme le paquet que j'avais au tout début avec une seule carte. Où c'était un paquet promo. Voilà, comme ça. Pack promotionnel volume 1. Donc là, j'ai deux packs. Ok. Et en plus de ça, j'ai... Encore un World Martial Art Tournament. Un Colossal Warfare. Deux Colossal Warfare. Ok. Et j'ai un petit dé qui est dans le thème de Dragon Ball. Ah, et... Non, non, non. C'est pas fini. Je pensais que c'était fini, mais... Eh ben non. Donc, attendez, je vais faire ça. Donc, il y a... Shenron Ultime, l'exhausteur ultra dimensionnel en carte foil x2, et je crois que c'est des cartes unissons les croix. Trunks Force pour sauver le futur en foil. Le commandant Ginyu, le clou du spectacle aussi. Sangoten et Trunks tandem Super Saiyan en foil. Toa réécrivant l'histoire en foil. Mira super pouvoir dimensionnel en unisson et foil. Gogeta, l'heure des représailles, en foil. Vegeta, protecteur de la Terre, en foil. Boo, malveillance distillée, en foil. Garlic Junior, vengeur immortel. Ah, vengeur immortel, pardon. En foil. J'ai voulu aller vite et quand on va vite, ben on fait pas toutes les choses bien. Donc je vais garder les boîtes pour ranger les cartes que j'aurai en double ou en triple ou je sais pas quoi.
et je vais commencer à ouvrir les boosters. Donc on va commencer par les professionnels, j'allais dire, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Les promotionnels, donc on va commencer par ce paquet là. Donc on va faire une ellipse, je vais ouvrir ça. Donc voilà, j'ai réussi à ouvrir. Bon, à peu près. J'ai vu que ça brillait beaucoup. Je peux avoir quoi? Je peux avoir rouge leader, bleu, vert, jaune. J'ai rien compris. Y'a même pas de perso. Mince, j'ai même pas cadré en plus. Désolé. Donc voilà pour vous. Et on va retourner la carte et c'est Sangoku, les camarades fusionnés. Ok. Donc c'est la X0101. Donc c'est celle-là. Ok. Pour le paquet gris, je vais l'ouvrir et puis on se retrouve. Bon voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il peut avoir Demigra, Sangoku, Piccolo, Iruden et Super Baby 1. Peut-être que c'est les 5 directement. Super Baby 1, Menace Parasite, Irudgan, ou Irudegan, Prémonition du Diable. Donc ouais, c'est tout ce qu'il y a derrière en fait. Piccolo, Stratège Éclairé, Sangoku, voie vers la Grandeur, et le Demigra des Ténèbres Grandissantes. Ok. Donc on va se retrouver pour les paquets de cartes. Donc voilà, pour les paquets, on va... Il y a deux Colossal Warfare, deux World Tournament là, et après un Galactique et un Divine Multiverse. Donc on va commencer par la première extension. Voilà. Donc, Sangohan en leader, Trunks implacable, Magetta le mur d'acier, Sangoten la famille de la justice. Bon, j'ai spoilé un peu sans faire exprès la fin et ça brillait. Vegeta tenace, Sangohan la famille de la justice, Champa le dieu manipulateur, Destruction imprévisible, Trunks, Krillin bouclier humain, Kaio du Nord le gardien et c'est juste une rare, Goten Super Saiyan. Après, on va s'ouvrir ce Colossal Warfare. Mince, je préfère de ce côté-là. Donc, première carte. Le Tout-Puissant, l'Observateur. C'est Trunks. Oui. Leader Trunks. Great Saiyaman patrouillant la ville. Sangohan, la dynastie intrépide. Intrépide. Oh là là, ça va plus, hein. Vegeta entraînement quotidien, Sangohan, Mister Popo assistant de Dieu, Sangoku la dynastie indéfectible, Bulma mère responsable, pas la dernière carte, Dende le Namek au bon cœur, et ensuite une commune foil je crois. Ah non, oh là là, j'ai pas bien compté donc c'était pas la dernière. Baby la vengeance libérée, et la dernière c'est une SR. Anilaza, le briseur d'attaque combiné, que je ne connaissais pas comme personnage. Deuxième paquet de la Colossal Warfare. Oh, à chaque fois j'ouvre la mauvaise façon. Donc Sangoku SS, la dynastie indomptable. Donc Super Saiyan, le SS. Ça c'est Demigra, non? Ah non, c'est Mira. En carte leader. Sangoku, la dynastie à contre-courant. Sangoku Kori, la dynastie déchaînée. Demigra, le sorcier des cieux. Tapion, l'obscurité cachée. Chef des Namek, présent de la force. Mince, je spoil la dernière carte. Je suis pas doué, hein. Sangoten, en train de se recharger. Planète Namek. Slug, forme vieillissante. Vegeta, entraînement quotidien. Et donc la dernière, c'est quoi? Une SR. Ouh, pas mal. La Sangoku, summum de la suprématie. Pas mal du tout.
Donc après on va faire les World Champion. J'ai failli le prendre encore à l'envers. Est-ce que lui j'arrive à l'ouvrir comme ça? J'ai un peu plus de mal lui. Est-ce que de l'autre côté j'y arrive? Non. Bon. En forçant un peu. Voilà. Donc, nous avons Oob en leader. Kamecédine virtuose martiale. Encore un leader, c'est Sangoku. Yakon, le fil du rasoir. Pourquoi le fils du rasoir? Je sais pas. Sangoku, futur grand combattant. Shaozu, le partenaire fidèle. Shaozu aguerri. Dabra, duo obscur. Gillian ou Gillan, force monstrueuse. Puis Puy, valet du sorcier. Et la dernière carte. Non, c'est pas la dernière carte. Affrontement de Sangoku en commune. Et la dernière, c'est une. Et c'est encore. Et c'est. Majin Vegeta, Confrontation Suprême. Bon, il n'y a pas écrit Majin, mais on reconnaît le M sur son fond. Pour l'instant, pas foufou, j'ai que des SR. Dommage. Mais bon. Faut pas s'attendre à des folies dans des boîtes comme ça. Celui-là, j'ai eu plus de facilité à l'ouvrir. Pouvoir latent inouï. Kamecenin virtuose, virtuose martial. What? Présentateur en leader. Ce serait marrant un deck avec lui. Sangoku, futur grand combattant. Shaozu, le partenaire fidèle. Sangohan, au paroxysme de sa force. Videl, duo héroïque. Je suis le champion du monde. Dabra, duo obscur. Le tout-puissant, relation de confiance. Envoûtement d'Otokoski. Je me rappelle plus de lui. Et ça, c'est une rare, Mister Satan, le pacte secret. Bon, pas foufou, hein, les packs. Mais bon, on s'attendait à pas avoir de la folie. Dernier pack. Allez, je vais pas sortir. Bergamo, broyeur géant. 4 Pesra, colère de la justice. Je connais pas du tout Dragon Ball Super, je me suis arrêté. Je crois que c'était le tournoi des univers ou un truc comme ça. Mais bon, j'ai pas fini, j'ai même pas regardé le combat Goku Jiren. Donc finalement, j'ai pas trop avancé quoi. Agou, suprématie vertueuse. Je pense que c'est Agou. Je sais pas. Freezer, épée à double tranchant. Kamecenin, toujours dans la course. 4 Pesra, le policier de l'univers 3. Colifla. Méditation. Hysop. On dirait Usopp dans One Piece. Hysop, le titan de glace. Et la dernière. Non, c'est pas la dernière encore. Rayon Triangle Danger, donc c'est Bergamo et ses deux potes là, je sais plus comment ils s'appellent. Narirama, c'est juste une R là. Sangoku, rééquilibrage des forces. Ok, bah j'ai juste une brillante R. Bon bah finalement les boîtes elles sont super jolies, elles me serviront de range cartes finalement. Je vous remontre vite fait les boîtes. Franchement stylé de fou. J'ai mis à l'envers, c'est sûr que ça sera moins fou. Voilà. Donc à garder pour mettre des cartes, c'est super. Là, ça c'est la méga box volume 2. L'autre c'était la volume 1 avec le Otzaru dessus. Franchement, pas mal. Ah d'accord, c'était pour les Giant Force, c'est pour ça. Ok. Bon bah voilà, la vidéo se finit sur ça. Et je vous laisse. La semaine prochaine, on fera encore un pack opening, mais cette fois-ci, ça sera sur du Harry Potter. Parce que, en fait, je vais pas faire ça tout seul, je vais faire ça en duo avec une amie. Donc voilà, à la prochaine.